Guten Morgen! À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, si vous n'êtes pas trop débile, vous avez lu juste en dessous, là. Non, pas là, là. HK3G et il est tellement long qu'il rentre même pas dans le cadre! Putain! HK3G, aussi appelé le MP5 en version Bifi, aussi appelé le fusil du tiers-monde. Car oui, c'est là qu'il aura la plus grande réputation au monde, c'est surtout, d'abord et avant tout, en Afrique, on va pas se mentir. Alors, le HK3G, donc c'est le grand frère du MP5, il fonctionne selon le même principe, c'est-à-dire à culasse non calée, mais plus ou moins non calée, puisque c'est quand même une culasse à retardement par galet. Je vous en avais déjà parlé, il va sans dire, puisque certains ont eu l'air de se poser la question, c'est pas HK qui a inventé ça, et c'est pas non plus le Phase 57 qu'on a déjà vu. Les Allemands, certes, mais pas ceux-là, ce sont ceux de la MG42 qui fonctionnaient déjà comme ça. Bon, un peu comme le Phase 57, c'est putain de lourd. 5 kilos. C'est extrêmement mal équilibré. C'est très très long. Ça fait 1m02. Mais on a quand même une très très longue ligne de visée. C'est du 7.62x51, donc le 308. C'est lui. Avec des chargeurs relativement courts, je ne sais pas s'il en a existé des plus longs. Alors, c'est une arme qui est plutôt connue pour sa fiabilité et sa précision. Il se trouve aussi qu'elle était vachement moins chère à produire que beaucoup de ses concurrentes de l'époque. Adoptée par l'Allemagne de l'Ouest en 1959, il sera dans pas mal d'armées et surtout dans les grands conflits civils d'Afrique surtout, mais aussi d'Amérique du Sud, pendant des années. Il se trouve que la masse en a produit. Dingue, hein ? Si, si. De 77 à 83, on avait un contrat de sous-traitance avec HK. Qu'on peut aussi... HK Slap ! HK Slap ! Bon, maintenant, il faut quand même admettre un truc. C'est nettement moins simple et nettement moins sexy que le MP5. Même si, en gros, c'est un MP5, mais en version supra-longue. C'est la version grosse bite du MP5. Allez, testons ça. Voilà. Alors, bah ok, allons-y. Si j'explose, c'est pas de ma faute. Sans la sûreté, c'est beaucoup mieux. Wouh ! Ah, pourquoi clic ? Pourquoi clic ? Alors, pardonnez-moi, chers amis, j'ai quelques petits soucis à faire marcher cette merde. Et je ne sais pas pourquoi. Ah non. Alors, en revanche, ça n'a pas cyclé. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Tu vas quand même pas me dire que j'ai pris la version...
coup par coup. Ah non, quand même. C'est assez agréable, franchement. Oh putain! Oh bordel! Avec la... Oh putain! Avec le rebond, la douille est littéralement partie à 25 mètres, elle est à côté de la cible. Ah putain. Ah qu'est-ce qu'on se marre! Bon, en revanche, je sais pas du tout où je tire là. Je suis peut-être un peu bas, je crois. Ouais, non, c'est assez rigolo. Ouais, non, ça je déteste pas, franchement, c'est assez marrant. C'est très souple, hein. Alors, c'est une mécanique absolument dégueulasse, une queue de détente immonde. Ce sera pas un mauvais chargeur, mais c'est extrêmement doux. C'est... Alors, on sent pas le 308, mais pas du tout, hein, putain. Alors, en soi, ouais, je comprends qu'on l'ait retrouvé. Donc ça, c'est une version A3, pour ceux qui se demandent. Je comprends qu'on l'ait retrouvé dans les mains de littéralement toutes les milices de dégénérés au monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, partout, quoi. Alors, il se trouve que, aussi, comme pas mal de pays de chiottes avaient eu les contrats de sous-traitance de la part de chez HK, notamment l'Iran, qui vendait des armes littéralement à n'importe qui à ce moment-là, et ben, ouais, il y a beaucoup de combattants de la liberté qui en ont eu. C'est assez marrant. Bon! Ouais, c'est rigolo, franchement. Ouais, c'est marrant. Ah, oula. Ah non, celle-là, elle a pas cyclé. Donc, je tire de la MacTech aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui lui convient le mieux. Oh. Mais Biquet, tu marches à la perfection pour que tu marches plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu voudrais un HK slap? Oh. Pas de souci. Je te slap quand tu veux. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les aléas du direct, c'est très très lourd. Je commence à en chier ma race, là. Mais... Ah, c'est lourd. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les gars? C'est fiable? Ah, mon cul, ouais. Ah, mes couilles sur ton nez, que c'est... fiable, ouais. Ah, après, c'est peut-être les munes qui lui conviennent pas, hein, mais bon. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? J'ai 3! Pourquoi tu ne marches pas? J'ai 3! Oh merde! Excuse-moi, j'ai 3, mais j'ai pas 3 heures là! Tu l'as? C'est chiant de devoir se cacher à chaque fois pour charger, bordel! C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il se ferme incomplètement. Et j'arrive pas. Là, ça a l'air d'aller. Ah, là, c'est bon. Et là, il est de nouveau fermé incomplètement. Alors, il est peut-être crade aussi, hein. Il est peut-être particulièrement crade, c'est une possibilité, hein. Allez, vas-y, ma biche, vas-y. Oui. Allez. Wouh. Ah, bordel. Puis je vous raconte pas comme j'ai mal à la main, là, parce que cette pute... de Sten, je sais pas si vous l'avez déjà vu ou si c'était bien la semaine dernière, j'en sais rien. Ah, ma pince et la main, j'ai mal. Mais j'ai mal. Mais qu'est-ce que j'ai mal?
Ouais, bon, le G3, c'est marrant. Il faut que ça marche, mais c'est marrant. Moi, je trouve ça assez adapté. Bon, alors, en fait, c'est exactement comme le Fast 57. Ils ont les mêmes défauts, sauf que celui-là, il est un peu moins bon mécaniquement, on va pas se mentir. Il est moins dur, mais pas beaucoup. En fait, c'est tellement lourd que t'as tous les avantages du poids, c'est-à-dire que tu sens rien, mais t'as aussi tous les désavantages du poids, à savoir que au bout d'un moment, tu sens plus ton dos. Voilà. Après, bon, il y a encore des quantités importantes de G3 partout dans le monde, parce qu'effectivement, il a été beaucoup, beaucoup, beaucoup produit. Sincèrement, je sais pas à combien d'exemplaires, mais je sais que HK, par exemple, l'a produit jusqu'en 2001. Pour un truc qui date des années 50, c'est plutôt pas mal. C'est mieux que notre FAMAS, par exemple. Ouais, non, c'est marrant. Maintenant, c'est pas parfait, loin s'en faut. Mais bon, voilà, vous aurez vu un HK G3. Vous serez content. Tout va bien. Allez, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau, ciao, merci à tous.